offensivement, on s'est senti quand même assez bien, je pense, dans les deux premières périodes. C'est sûr que le but, il nous fait très mal. Je pense que je ne vais pas commenter la décision de l'arbitre, mais je trouve qu'on n'a pas eu, gain de cause là-dessus. Puis, c'est sûr qu'après ça, on joue un peu en tremblant parce que c'est 3-3. On sait que le match est très important. Eux, ils n'ont pas de pression de l'autre bord. Nous, on a toute la pression du monde sur les épaules. Mais défensivement, moi, je pense qu'on... En général, on a quand même bien fait. On s'est relâché. Puis c'est des relâchements qui nous font mal cette année. On vous sent vraiment énervé et déçu après ce match. C'est vraiment le sentiment qui domine. C'est sûr. Ça reflète un peu la fin de saison qu'on a en ce moment. C'est décevant. Ça fait chier. Je pense pas qu'en tant que joueur de hockey, on est fier de nous en ce moment. On va voir vendredi. On va regarder les résultats. On va aller chercher une victoire vendredi, c'est tout. Je suis allé te parler, il faut toujours on parle. Il faut agir. C'est quasiment trop tard, mais bon. Comment vous abordez le match, du coup, le prochain? On va l'aborder comme qu'on a commencé ce soir, qu'on l'a préparé. Il n'y a plus de lendemain. C'est un match seulement encore aujourd'hui. Comme je te dis, je ne sais pas c'est quoi les résultats des autres équipes. Je ne peux pas vraiment en parler. Mais bon, il faut qu'on ait gagné. On l'aborde comme on joue encore vraiment notre saison. Ça fait un mois qu'on dit qu'on joue notre saison. Puis, là, c'est le dernier match. Puis c'est vraiment la dernière chance.